et yo capable même saper base démocratie et haïtienne et qui déjà a marché et clopin clopin. Et on garde article pour qui ça et yo poser problème et jodi a si aurait été dans document ça par rapport et à m'ka di hein mais société haïtienne. Non, numéro identification, texte et article, l'église a dénoncé, c'est article 5 là, qui parlait sous changement morphologique. Donc, il trouvait explication gouvernement bail, c'est un monde qui est capable de perdre des mains, qui est capable de perdre des jets, et pour être capable de remplacer l'identification qui est gagnée avec mains, avec jets. Pour écouter ça dans le bureau ONI. Donc, évêque, vous pensez qu'il y a un pile d'autres bagailles qui ont fait passer derrière changement morphologique, ça, qui n'est pas seulement douet, qui n'est pas seulement jet, mais il faut être plus clair sur lui, il faut être bien plus extension dans l'explication au bail. Donc, au lieu de faire ça vite, plutôt yo aider moun yo comprendre pour éviter confusion moun yo gen parce que yo kwè gen yon lot bagay caché ou pas di yo donc nan l'autre projet loi sou nouveau code pénal là et article qui vient déranger avec yo c'est article qui réduit l'âge pou moun yo ka commencer gen rapport sexuel article qui parlait sur rapport sexuel dans la famille, yo nan proche dans la famille. Yo. Donc, article qui parlait sur orientation sexuelle et jeune. Yo. Et article qui parlait sur changement sexe, moun qui est garçon, qui est une fille, qui est fille, qui est garçon. C'est sur article ça. Yo. Donc, les plus acquittés pour juristes, moun qui est spécialiste, dans le domaine là, vous avez expliqué la population et toutes les conséquences de la SAO, mais en attendant, lui-même identifié point SAO, il dit point SAO touché des domaines qui sont délicats, en pile, et on pas capable de changer sans nous pas faire débat, sans nous pas faire référendum, sans nous pas voter, nous sommes capables de voir qui poids et un monde qui pour et point SAO, qui poids un monde qui compte. Dans la société, pour nous agir, pour nous capables d'agir en conséquence selon quoi et mon article a gagné dans la société. Et on va retourner sur l'article 5 et le débat qui a fait sur société et qui a fait dans la société. Et sur la question carte d'identification, précisément sur l'article 5. Mais nous ne pas attendre. Et l'église et catholique nous a quitté et questionnant nan main des membres de la société civile nan mavi dit tout et des laïcs et des hommes de loi et nous ouais que eh bien exécutif a fait passage en force et quand même pour que ça nous fait réaction ça tardivement bon l'église trouvait. Et si c'est pour bien société, tout le monde a fait la loi. Ils sont pour le pousser. Donc, les gars ont un pile intérêt que les gens comprennent les conséquences et tel changement. Bien, parce que ce n'est pas contre les gens qui ont fait un changement. Donc, l'Église trouvait que le gouvernement a un intérêt. Et faire monde qui est spécialiste dans le domaine là expliquer mon yo et puis mettre plus de détails pour suspicion ça qui vient qui dit ah yo dit j'ai avec mais yo quitte toutes les possibilités yo pour mettre monde devant les faits accomplis les yo pral dans ONI et il dit ah au fond même tes garçons moi aussi monter fait tel changement dans telle année dans tel mois.
Est-ce que ça veut dire que nouveau texte là, ça dit projet de loi qui portait sous nouveau code pénal là, le nous vient garder certaines dispositions et nous dit eh bien ben ça vient confirmer appréhension nous suspicion que nous t'ai gagné au sein de la conférence épiscopale et sous justement article 5 là. Est-ce que c'est bon changement en morphologique là, c'est vrai sous te gain ou jour qui pétait ou gon un problème au niveau et corps faut être capable à rapporter ça li, ou nous t'a posé nos questions pour nous connaître est-ce que son question d'orientation sexuelle ou pas et puis le nous vinnou et projet de loi qui portait sous nouveau code pénal là nous dit ah eh bien ça portait nous réagir. C'est ça justement la mission fidèle yo bien en discussion ça yo quoi bien un agenda qui caché et qui a cherché occasion toute occasion qui possible pour yo mettre agenda ça dans loi pays a comme ça tout le monde a venir retrouver yo ça yo pas connaît devant le fait accompli et il vient des conséquences sur nous même qui citoyens dans pays ça si la loi vient mettre adopter un bagage ça nous pas de temps connaît nous vient apprendre en retard mais il vient une loi ça il vient contre nous donc effectivement ouais et là yo le nouveau code pénal là yo et tout point ça yo était toujours des soupçons dans la population et yo dit ça vient confirmer et après 5 ça. Donc cette grosse suspicion ça l'état bon pour l'état et l'état gain intérêt clarifier prendre temps clarifier point ça yo parce que il y a pile suspicion qui fait mon yo quoi gain un agenda caché et que l'état accepter agenda ça non mais l'autre monde qui pas haïtien et qui voulait changer société haïtienne là qui voulait changer particularité haïtienne dans société panouan dans famille nous yo dans la foi nous pour nous mais l'autre société même genre avec payo parce que si ça fait la caillo pour que ça pas qu'à faire dans pays panouan donc vous voulez imposer agenda ça c'est suspicion ça l'état bon pour l'état connaît et c'est suspicion ça qui vient mettre avec la foi et peuple haïtien, que ce soit un catholique, que ce soit un protestant, et ça vient heurter la foi et vient mettre avec une question de suspicion. Donc ça vient faire une grosse confusion, et ça bon pour l'État clarifier. Mais ça nous fait à monde qui pas gain la foi qui pas dans question et religion yo dit nous bon on vive à attend nous c'est des bagages qui a passé dans notre pays pour qui ça va pas passer en Haïti tout non mais nous ces citoyens même si nous gain la foi nous même qui gain la foi nous ces citoyens dans société ça c'est peut-être ça nous dit et nous pas quitter seulement pour chrétiens yo ba opinion sur les non pour spécialistes yo monde qui a visé sur question ça yo bay opinion sur lui pour lui clair pour tout le monde et puis tout le monde prononcer sur lui mais ça tout le monde a ouais gain en majorité et en dans pays a en dans pays d'Haïti a qui d'accord je dis a pour nous évoluer pour nous arriver dans tel point. Et est-ce que nous pas chercher bon nous entendons dire ça et Père Loudia et Mazil m'a rappelé ses porte-parole et conférence épiscopale d'Haïti leur dit que peut-être c'est des leaders étrangers et des pays étrangers qui t'a débat ça qui t'a contraint et président de la République qui t'a fait pression sur autorité haïtienne pour dans l'air du temps sur ça qu'a fait à l'extérieur et jodia et sorti texte qui posait problème. Est-ce que c'est pas chercher d'ab chercher des douaniers et président président de la République là mon grand question de conviction. Yo gen da proposons bah yo gen da fait pression sur mais ou bon bah ou quoi la donne et ou dit bon ça sont lignes rouges par rapport à conviction par rapport à foi moi mais pas franchir ça pour rien au monde. Président, il y a quoi là-dedans?
il y a un accord à ça qui passe. C'est pas question des douanes président, non? Et parce que il y a un droit à ses positions président. Et sauf que nous, Jacques Yov l'a dit, et ça c'est une position qui est étrangère à ça, nous-mêmes nous faisons. Donc une position qui est étrangère ou bien nouvelle à la société panouan organisée. Donc cap de mon auto-président qui a poussé agenda ça, pas nécessairement un pays étranger. Mais dans le peuple là, il y a quoi des pays étrangers. Mais il y a un droit vraiment, c'est mon alentour président ou bien mon qui a écrit pour le président sien, donc qui a fait agenda à passer. Donc, mais seulement, l'évêque a demandé pour sa fête ouvertement, pour sa fête dans le débat, pour tout le monde capable de prononcer au lui. Outil explication, Père Lodier Mazid. L'on dit pour sa fête ouvertement, débat de questions, mettez-le sur la place publique. Tout le monde dans le pays a, yo même, yo parlé de ça. Et puis, si yo ba des zones, t'es que ça capable de passer? Je sais ça l'église dit. C'est position l'église et catholique ça. Donc, il y a des positions. Position l'église catholique, qui basée sur enseignement. Et Morali qui nous tout le monde connaît, les gens familles organisées, les gens monde c'est un garçon on fait pour marier un garçon on fait avec tout le monde dans une famille, tout le monde connaît position de l'Église catholique sur quoi ça, et mais comme citoyen l'Église carrément débat fait pour tout le monde participer là-dedans. Donc, c'est bien des pays qui adoptent les bagages, même avortement, ils ont fait référendum, même pour garçon à garçon marié, pour fille à fille mariée, ils ont fait gros débat, après ça, ils ont fait référendum. Société à lui-même, ils nous connaissent qui pourra bagages à gagner dans la société. La société pas nous. Et jusqu'à maintenant, il y a une cohabitation. Et tranquille entre un monde qui est homosexuel avec un monde qui est hétérosexuel dans la ville noire, dans la société noire. Il y a une cohabitation, donc il n'y a pas aucune hostilité, vraiment. Mais là, on vient de faire loi, loi qui impose des bagailles qu'on peut tolérer comme une minorité parce qu'on respecte ça la vie. Mais là, vous venez pour joli, avec conséquences pour vous, laissez vous réagir. Parce que ça vient créer hostilité vis-à-vis des gens qui vivent tranquillement avant, qui vivent dans le même quartier, tranquillement, mais comme il y a une hostilité dans la société, parce que vous avez une conséquence pour les gens qui sont majoritaires et sur tel point, et l'ouest, c'est l'autre monde. Qu'il s'est toléré pour les gens de ville de choisir, c'est lui-même qui a visé la loi, c'est lui-même qui a imposé ça pour le faire, et puis qui a fait la prison. Est-ce que nous estimons, dans l'Église catholique, que nouveau, c'est-à-dire projet de loi, ce nouveau code pénal, ça, libaille trop droit à mon LGBT? Oui, parce que il y a du bagage là, comme un bagage qui final, qui définitif. Donc, il y a du changement sexe. Mais qui est-ce qui te dit, est-ce que nous d'accord nous-mêmes, et comme société, de choix ça? Ou bien si c'était conviction, il y a un monde, il y a des convictions, il y a un monde, il n'y a pas besoin d'aller faire une loi. Pour lui, pour Ontario, et pour Joli. De toute façon, il y a respecté et puis respecté choix. Donc, c'est des conséquences normales de la vie en société avec
évolution qui a fait dans la société. Donc, mais respect mutuel là, et il fait des deux côtés. Donc, il vient créer agacement, il vient créer hostilité. Les, et on respecte aux majorités qui gagnent pour une certaine exception dans les gens qui vivent, les gens qui concevoir la société, les gens qui concevoir la bagaille. Et mais laisser exception ça qui tourne en règle, et puis par la force, et puis et ça vient créer agacement et ça vient créer hostilité comme dans le cas de protestation ça. Et est-ce que position et l'Église catholique li évolue par rapport à moun ki homosexuel yo, moun tap pratike zoophilie yo, et que avant nous te voyons comme des disciples de Satan, est-ce que et c'est toujours le cas? Et position de l'Église toujours été une position biblique là, que c'est un garçon avec une fille qui fait relation. Et c'est un garçon avec une fille qui fait relation sexuelle et qui fait une relation durable dans le mariage. Donc, la position ça, n'est pas changé parce que est basé sur la Bible, sur l'enseignement et plus là. Nous pas changer ça. Okay. Et, mais, nous venons constater que dans la société là, et parfois dans l'Église là, l'autre monde qui vit l'autre réalité, mais qui est dans l'Église là. Donc, ça vient mener à un certain respect, à une certaine tolérance aux gens de vie là. L'autre monde, ça a retrouvé là-dedans là. Donc, dans ce sens, on est capable de parler d'une évolution. Évolution vient exprimer dans une certaine tolérance, dans un certain respect, et mais c'est respect ça que la loi doit prendre dans la situation panon Haïti et pour tenir compte de la réalité société à Jean Li organisée dans la constitution société. Donc, qui opinion qui majoritaire, qui opinion qui minoritaire, et pour ça, les lois distribuent les droits ou distribuer en conséquence. Donc, comme ça, on évite tout agacement, on évite toutes les hostilités qui sont nécessaires dans la société. Donc, il y a une certaine évolution, et c'est vrai, dans la tolérance, dans la présence et la réalité ça, et dans la société, dans l'école, nous, et dans l'Église, là, tout. Okay. Dans l'Église, c'est parce que il y a des gros responsables dans l'Église et catholique qui est concerné par question ça, il y a des gros procès qui fait et à l'étranger et plus de gros scandales, c'est ça qui fait que l'Église catholique quotidien nuance et position sous question ça vient un peu beaucoup plus tolérante. Vient tolérant et vis-à-vis et mon nous avons respect pour eux dans la société a, et tous ces fidèles dans l'Église là, c'est pas parce que et scandale pour aujourd'hui et qu'il y a un cas dans la société a, et dans l'Église là, parce que l'Église et l'idée enseignement pour que je parle la même et chaque fois que ça arrive il prend mesure appropriée pour ça. Donc, l'Église organise une façon pour prendre mesure appropriée. C'est qui pour fidèle et appliquer tout au monde qui est responsable dans l'Église. On regarde les articles incriminés, on dit ça comme ça. L'âge sexuel,
15 ans, nous dit au niveau de l'Église, parce que c'est pas seulement le monde qui est dans l'Église, hein, qui dit, waouh, un problème là, là, et codifier ça pour tout le monde, et bon, l'ordre de l'âge sexuel là, même qu'on n'y a pas qu'à dire, et c'est tifi, tif garçon, tif garçon, hein, mais nous étions dans ce genre là, la passé là, et la caille nous, genre, et pouvoir, les ouais, et question, hein, et à travers, et nouveau projet, ce nouveau code pénal là. Pour qui ça nous estimer et 15 ans, li, un petit peu tôt? Oui, et 15 ans, si mon yo paré physiquement pour relation, mais et mentalement et émotionnellement, yo vont comparer. C'est nous-mêmes, comme société, qui pour bayo protection ça, et pour aider au film préparé, c'est parce que yon rapport sexuel, yon relation sexuelle, c'est pas seulement yon acte physique, il y a tout ça qui affecte les timons. Il tape même bagay encore avec saleté avant, après relation ça. Des fois, c'est, si ou pas de créer situation ou ça, ça va t'arriver. Donc, ça, l'Église a dit, et pour qui ça, qui exigence qui vient la première en Haïti pour la baisser bar là, au lieu de nous tomber ou bien nous augmenter. Pour qui ça, qui ça justifie ça, est-ce que c'est une permissivité nous a créé ou bien nous baisser les bras parce que nous, ouais, ça fait dans la société là. Donc, si mon yo entre dans une relation sexuelle et très jeune, est-ce que nous disons, bon, eh bien, on facilite les choses, on a nous créé loi pour ça. Donc, nous pas aider sur ça. Il y a des gens qui sont capables de faire l'audio à Mazil, et justement, il faut que les dirigeants aient tenu compte de l'évolution sociétaire. Parce que je dis à maman petite, papa petite, il y a même par exemple, des petits qui ont commencé à gagner des règles et bon, gagner éducation, tout le monde. J'en fais là, mais 12, 13, 14 ans, ou après des. Et que ça fait ici à l'étranger au demandé tout est-ce que pas baïti mon pas dit mon et est-ce que au lieu d'il parle en relation sexuelle c'est plus sous gain relation sexuelle protéger tête oui gain parents même qui ca juste aller faire gère ça baïti mon et préservatif là pour éviter que les gain et maladies pour gain par exemple des maladies sexuellement et transmissibles. Ça c'est ou réalité m'a décrit ou là. C'est pas réalité ça et qui pousse et autorité et yo et prend disposition ça. Et réalité a poussé autorité au point et décision ça. Mais éducation et sexuelle là j'ai expliqué là et parents yo capable faire et de l'école qui prévoit ça. Étape ça pour accompagner tout le monde là-dedans, de franchir étape là bien, sereinement. Et, mais l'heure où légiférer sous lui, et il vient tout est normal, et on indiquer une voie pour tout le monde, et comme si on dit, à partir de tel âge, pas dans aucune barrière encore. Donc, pour qui ça fait, pour ça fait. Ou bien licence. Ou bien licence, voilà rien. Ok. Mettez pas 4 ans devant, voilà, j'ai 15 ans, pas de problème, je vais me barrer. Oui, je vais me barrer, j'ai 15 ans. Donc, on a quitté, si on a grandi, ma majorité est prévoir dans la société. Et puis, ça ne va pas empêcher de temps en temps, on peut arriver. Mais les noms légiférés sur les bonnes c'est ça qui est normal là, nous baillons les champs. Est-ce que c'est pour si vous faites ça vrai ou bien c'est ben, monsieur Damio qui ben, pour pédophilie par exemple, nous connaissons un petit scandale dans le pays. Et nous avons un phénomène et Zokiki, il y a des gens qui ouvertement, il y a des gens qui à partir, il y a pas besoin d'une fille qui a 22 ans, il y a pas besoin d'une fille qui a 25 ans, bah, il y a de 13, et c'est des gens 14 ans, c'est à partir de l'âge ça, il y a
pirin men ti mesdames yo ti garçon yo excusez-moi pour mon t'attendre aujourd'hui avec on ça pour parler parce que donc est-ce que là tout son comment dire on bride y aurait tiré n'a du côté dans bouche ma connait son fleur là que autorité fait à des moun sa yo il vient droit c'est ça qui réalité a vraiment donc c'est des monde qui retiré et barrière de société à tenité et sous relation on adulte avec tout monde donc yo descend barrière plus bas pour yo je parle pas tout ça l'état qui a défendre monde qui vivre dans société là de vigilance sur ça pour pas faciliter la chose et au pédophile dans ce cas donc allô Permazil oh mais Père Luc Germazil avec nous c'est porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti nous avons 2-3 minutes et pour nous finir entrevue parce que notre deuxième invité c'est Ashley Lara qui nous parle avec elle beaucoup plus loin que regard qui a dit religieux et sous questionnement Père Luc Germazil qui a porté et plus explications sous position l'Église catholique, l'Église justement qui protestait, dénonçait projet de loi sous nouveau code pénal. Père Ludia Mazil, porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti, nous espérons nous rejoindre très rapidement. Rapidement pour nous capables de mettre fin dans l'entrevue. Oui, et Père Ludia Mazil, nous t'avons perdu, mais on a fait 2 minutes et pour nous refermer l'entrevue. Merci hein, pour disponibilité. Par contre, nous avons laissé une réaction au niveau de l'exécutif hier, secrétaire d'État communication, on rapportait que le Premier ministre et il fait des rencontres avec des ministres, des conseillers présidents justement et sous Texas, yo t'a décidé pour vulgariser Texas. Bon finalement nous parle tant des et gagne des monde parce que c'est ça lié au niveau de gouvernement qui parle et défendre Texas. Donc si me comprendre bien, c'est parce que nous pas fin comprendre ça que dit. Yo pas fin comprendre, nous va faire nous pi ouais clé. Est-ce que explication Abdul Baye là? Oui, il y a pas vu vulgariser. Oui oui, l'a débouché sur un référendum sur texte là ou bien c'est pas parler en pile seulement. Bon, yo pas le faire comprendre. Ça me comprend le texte qui est publié et hier là, alors fini me doit transférer au lit et c'est comme si société a pas tellement comprendre, le monde a réagi donc yo pas le faire ça. Au fait, yo te doit faire avant donc yo pas le faire après. Mais nous quoi ça pas suffit ça, parce que faut nous ta poids et position qui prend un texte là et qui pourrait gagner dans la société. Donc, qui va les monde qui appuie elle, qui va les monde qui est elle, les noms, les offres d'expliquer, les offres de faire débat sur lui. Donc, qui va les monde. Allô? Bon. Non, décidément, peut-être nous prenons mettre fin dans l'émission. Normalement, pour le réalisateur, René Achel Arac, mais vraiment, au dernier dernière question. Et pour Père, on essaie encore, René Père et Ludia Mazil, parce qu'il y a 2-3 questions et Mounio a posé là qui d'importance, c'est passer l'étape importante pour que. Le porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti, dis-nous qui ça et l'Église et penser de ça. Voilà. Et Père Mazil, Père Ludia Mazil,
Non, non, non. Eh bien, voilà, n'a pas essayé entrer en contact avec Ashley Larac Maptoudinou. Par exemple, il y a moun qui m'aide, ben je dis à si vous permettez ti moun yo gen relation sexuelle à 15 ans, ben ça veut dire tout ben un moun capable marié à 15 ans sans que pas gain aucune dérogation. À qui est-ce nous là? Père Mazine? Voilà. Est-ce que Dominique est capable de venir très rapidement pour nous entrer en contact avec Ashley Larac, notre deuxième invité? Et on a fait ça, on a remercié Père Ludger Mazil, bien que nous pas fini la conversation, même parce qu'elle dit l'essentiel est vraiment par rapport à la position de l'Église catholique sous projet loi qui portait sur le nouveau code pénal, en pile et réaction, notamment de l'Église catholique, et bien sûr officiellement, mais autant de la fédération protestante qui a position sur ça, gagné l'autre des pasteurs, il y a même un pasteur qui a adressé une lettre ouverte à président Jovenel Moïse, et pasteur essayer de comprendre certains bagages là-dedans, certains. Il y a des bagages qui sont pertinents, mais il y a des autres qui vraiment prêtent à confusion. Okay. Si nous prenons le code électoral là, parce que nous avons entendu, et parlé de ça tout à l'heure, si nous prenons le code électoral là, et le code d'identification nationale là, il est évident que pour un code d'identification, si nous, aujourd'hui, avec les gens, l'un inscrit au code il y a 18 ans, et puis, il y a un penchant sexuel qui fait que là, le Saint-Domingue, là, aux États-Unis, il faut opération, on change de texte. Mais il faut que la loi, qu'a permis, ou quand même faut-il, venir pour dire que, il n'y a pas religion, quoi, c'est Jean-Louis. Autrement, si jamais vous n'avez pas écrit, monsieur, il y a photopsie sous lit, ou bien pour faire comme ça, mais je ne sais pas vraiment qui est arrêté. Même pour prendre visa, si nous sommes en Haïti, parce que, c'est des cas qui existaient. Je ne sais pas quoi que loi est fait, parce que on imagine que ça arrive en Haïti, sans que ça pas déjà arrivé ici. Dans le milieu de ça, nous connaissons certains monde qui changeait de sexe déjà. Par contre, on disait ici, tu fais opération, on disait notre bon, mais ils prennent un monde, ils font tété au poussé. Donc, on a une physionomie de femme, alors que les garçons. Mm-hmm. Donc, si nous apprenons nos visas, ils sont quatre identifications masculines que rien. Donc, quand on dit que les gens, ils ont quatre identifications qui disent que c'est gars, sexe masculin, c'est allié. L'univers de mon consul, ligué ou l'estomac avec deux belles têtes là-dedans, consul au Brésil, mais c'est pas même monde. Ils n'ont pas capable de visa, ils sont filles au Brésil, ils visa, mm-hmm. alors que sous quatre identifications, son gars sont tankés. Mm-hmm. Donc, pourquoi est-ce que c'est normal pour quand l'identification hein, prévoit, afin que la loi prévoit qu'on est obligé de venir faire déclaration de n'importe qui bagaille qui vivait où. Si on a deux jambes ou perdu une jambe, c'est normal qu'on vienne dire que si on distinctif, c'est que on vient unijambiste. Mm-hmm. Ou perdu une jambe droite ou perdu une jambe gauche. Il faut obligé de faire des déclarations comme ça. Pas seulement pour l'État qu'on est qui sont perdus ou pas perdus, mais le a identifié ou, si vous mal le privé ou, si vous cherché ou, parce qu'on perd d'un côté, le a identifié ou, faut que vous avez un jour pour identifier ou. Donc, sous-vivant toujours, faut que vous fassiez état de changement qui gagne en physique ou. Donc, on croit que, contrairement à sa permanence des habitants à l'heure, c'est un bagage tout à fait normal. Pas de rien qui complique la dernière. Ou font cas d'identification, ou changer une physionomie, ou faire déclaration pour dire, mon cher, je change de physionomie, je perds un yeux, je perds un bras, ou bien je fais un tatouage dans le domaine, je fais des signes distinctifs, mes amis. Okay. Et je crois que c'est normal.
OK. Mais sous tes pieds, on vient Pierrette là. Parce que ça, mon yo craigne à ce moment-là, il y a pas de changement morphologique, il y a parlé de biométrie. Si on mettait ça dans le texte, pas de toute discussion, et sous ta, et Lou Jamazi, les précisions, bah, c'est ça qui expliquait que l'église catholique n'a pas de coup réagi, n'a pas de tonne. Et pour le ça cap pas ça, et puis, et yo wèk krent yo confirmé avec des dispositions qui dans nouveau code pénal là. Bon, moi que l'église catholique, moi même personnellement, moi que l'église catholique quand l'ordre tout. Mais yo le bon bagage l'église là côté y a siégé là, obligé faire et enfin supérieur yo connaît mais qui discussion guerre et puis on va prendre les positions par rapport à ça yo autorisé au fait. Puisque yo gen moun tout, donc n'yo pa ka réagi tout de suite. Faut que théoriquement et bon moun yo gen compte à un à des moun. L'ordre doit venir d'en haut. Oui, évident. Mais de l'autre côté aussi, nous reconnaissons ça l'église dit que débat est déjà. Yo pas ka sorti le voir ça yo sans que pas bon débat qui fait tout. On pas dit pour affaire et à le déclarer sexe couchant généralité à si jamais on fait sexe, ça va pas dit à la donner. Ça sont dispositions normales que la loi sur tout individu gagne. C'est-à-dire que depuis un signe particulier, mon bagage qui manquait, il faut que l'État connaît pour être capable d'identifier correctement. Donc, à Chénérac, tout à l'heure. Donc, c'est anormal tout pour que gagne ou texte de loi qui reconnaît les gens qui changent texte et les gens qui changent sexe. Sous cal dit voilà même te Jean Vinjanet Vinjan yo constater yo dit OK d'accord regardez on change non ça dit l'autre c'est dans la logique des choses bon nous signe charte qui reconnaît droit universel de l'homme ça veut dire que liberté et individuelle tout autant pour pas gêner l'autre monde li consacré tout autant liberté pour là par le compte de liberté de l'autre monde. Si liberté ça a consacré, ou pas qu'empêcher le monde à changer de sexe. Comme ça arrive en Haïti, et certainement, messieurs qui fait loi, il y a deux ou trois exemples que tu es capable de citer, si ce n'est pas pour discrétion, pas citer nos mots, messieurs ont anticipé. Ils ont dit, mon cher, comme une population qui gagne et X quantité de monde qui change de sexe déjà, et que très certainement on va continuer, bon font loi pour prévoir ça qui va arriver. Parce que diriger, on dirige, c'est un mec qui est supposé, et alors le gouvernement, son équipe qui a supposé, faire des lois par rapport à constat que vous faites qui vous permettre de nous outils pour diriger correctement. Si vous avez un paquet de monde qui change de sexe, on dit que vous avez 500 monde qui change de sexe dans un département. Pourquoi j'ai les gens qui ont une élection? Qui ça qui est pour eux? Ce n'est pas parce qu'ils ont une minorité qui fait que ne font pas de loi pour eux. Nous croyons que c'est normal qu'ils font une loi pour eux. Naturellement, ça me reproche au gouvernement, c'est que bagage ça n'est pas. Nous connaissons une population qui a 99% et pas trop éclairée dans ce sens. Nous pas moderniser